Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau, si tu es nouvelle, abonne-toi, commente, like et partage. So, aujourd'hui, on va parler ce qui concerne registry. So, je vais y avoir une seule question par rapport à ça. Il y a une personne qui m'a posé la question de savoir registry, pourquoi on fait ça et c'est quoi au fait. So, j'ai découvert ça l'année passée quand j'ai été enceinte de mon fils. Et c'est comme ça que j'ai fait ça. So, c'est pourquoi je me suis dit non, pourquoi pas ne pas vous dire ça servait à quoi, et puis c'est quoi, et puis pourquoi. Mon fils, il me cherche des problèmes. Je vais vous montrer quelques histoires, quelques articles que j'ai mis sur mon registry, l'application que j'ai utilisée. Et puis, juste pour vous faire des idées, peut-être que ça peut vous intéresser, ou alors vous pouvez intéresser certaines personnes. Oh. Bon, je change de chambre. Je suis dans sa chambre. Je lui laisse ma chambre. So, je disais, peut-être que ça peut intéresser surtout nos soeurs, les mamans qui sont en Afrique, pour des personnes qui ont surtout trop envie ou bien qui ont besoin de offrir des cadeaux hein, aux amis. So, je sais pas, les boutiques en ligne, je pense qu'en Afrique, il y en a bien sûr. Ou si pas, vous pouvez juste checker là et puis vous acheter et vous amener. Pour ne pas amener là two things, deux personnes n'amènent pas des choses de la même same thing, les gens n'amènent pas les choses qui se ressemblent. Du coup, on essaie de faire cette liste qui nous permet de. Comme pour Samir l'année passée, j'ai mis tout ce dont j'avais besoin. J'ai mis les stores que je voulais. Par exemple, j'aime beaucoup Target, donc j'avais mis presque tout des Samir sur Target et la site. Ils ont, si vous avez le magasin, il a ses sites en ligne. Vous mettez tout en ligne. Comme ça, les gens ils vont permettre les gens de cliquer juste sur la ligne. Puis, quand vous achetez des histoires en ligne, ça vous permet directement qu'il y aura tout, l'adresse de la personne sur ce registry, et quand vous achetez en ligne, c'est comme juste you order something online et ça arrive chez toi. So, vous achetez directement en ligne et ça arrive chez la personne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? So, c'est un peu comme ça. Cette année, j'ai découvert une application qu'on appelle Baby Registry qui est vraiment trop bien. Vous avez tous les stores que vous voulez là-bas, comme Amazon, Eastie, Target, il y a H&M. Il y a vraiment beaucoup de stores qui sont là-bas et puis vous choisissez, ou alors vous pouvez choisir de tous les stores, par exemple. So if, for example, you're planning to have a baby shower party, tu n'as pas besoin, les gens n'ont pas besoin de ramener des cadeaux chez toi à la maison. Ce n'est pas vraiment obligatoire, surtout si tu as déjà acheté ton truc sur online, sur le registre que j'ai mis. Et directement, ça m'arrive. Et puis voilà, c'est un peu ça, je pense, si je me trompe. Et il y a une personne qui connaît par rapport à ça, la Mino d'un below. Peut-être que c'est moi qui ne sais pas, mais je pense que c'est ça. J'essaie de vous montrer ce que moi j'ai mis sur mon New Baby Registry. Et puis ça peut vous donner aussi des idées. J'essaie de regarder ce genre de vidéos. Je me suis dit non, moi aussi je vais essayer de partager. Et c'était en anglais, je vais essayer de partager ça en français. Et puis voilà. J'ai essayé de tout écrire parce que voilà. Je suis en train de filmer avec mon téléphone comme d'habitude, comme je vous avais dit que je dois commencer à filmer avec la caméra quand vous me totalisez 1000 abonnés. Period. So, comme pour le nouveau-né qui va naître, j'ai décidé, I'm not gonna feed him, like, avec mon... Je ne vais pas utiliser les seins. Si pas, je vais pomper et aussi je vais utiliser formula pour le nouveau-né. So, donc j'ai mis sur mon registre des différentes bottles, les biberons. Donc j'ai mis les Mom Feed Bottles. Ça a une très bonne qualité apparemment. J'ai regardé des vidéos où les gens en parlent trop. Et j'avais acheté ça pour Samir même s'il avait refusé. Mais maintenant il accepte parce que je lui mets du lait dedans. Donc il prend. So, j'ai acheté Mom Feed Bottles qui sont à 3. Et puis ensuite j'ai acheté les Philips Even Glass Bottles. C'est en verre. Ma copine, une de mes copines, elle utilise ça et je trouve que c'est trop bien. Et surtout le truc au-dessus, quand c'est vraiment mou, il faut vraiment que ça soit mou dans le sens où que ça doit être comme le téton. Le bébé, il va vraiment prendre. J'ai mis ces deux différentes bouteilles pour que le bébé puisse commencer avec. So, je pourrais pomper et je mets dans le biberon.
Yeah, si pas, je donne, je veux pas donner. En tout cas, j'ai pas, je pense pas. J'ai décidé que je donne pas avec mes seins comme ça. Pompé, j'ai mis dans le biberon. Et puis, je vais faire avec le formula aussi. Je vais essayer de. Parce que Samir, il a pas voulu, mais je vais commencer avec le nouveau. Sur la deuxième chose, j'ai mis car seat sur la liste. Justement parce que, voilà, celui que Samir utilisait n'était pas d'une très bonne qualité. Donc, il s'est abîmé direct du coup. J'ai pas gardé ça et je l'ai jeté parce qu'il s'était vraiment coupé, surtout par derrière les trucs, la couverture pour couvrir le bébé, il s'était coupé et c'est comme ça que j'ai mis ça sur la liste. So, la troisième de choses, baby swing, c'est le truc pour swing. Je sais pas comment expliquer ça, c'est sous forme d'une balançoire que j'ai mis pour les bébés parce que celui dont, en fait, les gens, je pense que je devrais utiliser tout ce que Samir a utilisé. Le bébé devrait aussi utiliser le nouveau-né, je pense. Que ce soit une fille ou un garçon, moi, le truc des couleurs, c'est pas trop. C'est pas vraiment trop intéressant pour moi. Oh, si c'est une fille, il faut mettre vraiment le rose et tout, non. Mais le problème qu'il a, Samir, il a une année and he's still using. Il y a des histoires que Samir continue toujours à utiliser comme ça. Le baby swimming, je l'ai toujours, mais j'ai très mal gardé. So, je l'ai jeté aussi parce que j'avais mis ça dans le basement. And it smells bad for a newborn. Non, je n'ai pas voulu utiliser ça. Ensuite, j'ai mis two double stroller parce que Samir, il a une année et le nouveau ne sera bébé. Donc, j'aurais besoin d'un stroller double pour mettre Samir devant et le bébé derrière comme ça, soit qu'un push. Without having problem like separately, j'ai mis Samir ici et l'autre bébé à côté. So, j'ai mis tummy time mat. With toy, j'ai vu ça sur Amazon, c'est trop bien. Celui que Samir utilisait, c'est it's very dirty. J'ai jeté ça, il n'a pas vraiment utilisé, mais celui-ci il est vraiment trop bien. Kind of like avec beaucoup de toy à l'intérieur. Il a des jeux aussi à côté pour le bébé. Ensuite, j'ai mis le floaty baby bath. Ça, je vais utiliser pour le bébé, le nouveau-né. J'ai vu qu'il y a des gens qui utilisent le nouveau-né, ils le lavent dans les sinks. Moi, Samir, je ne savais pas, je l'ai lavé dans le bassin, son bassin normal, qui avait aussi ces genres de mat avec, mais ce n'était pas vraiment très... ça ne le protégeait pas trop bien, you know. So, j'ai envie d'essayer ce baby mat qui est vraiment comme un petit matelas et mettre dans les sinks pour les laver. It's a crib portable infant bassinet. C'est un petit berceau à mettre juste à côté de mon lit pour le bébé. Samir en avait. Et je n'ai pas gardé ça parce que c'était pas une très bonne qualité aussi. Ça, c'est quand on a déménagé, en tout cas, ça s'est coupé. C'était pas de très bonne qualité. Et ça, j'avais jeté vraiment dès le début parce que Samir aussi, il dormait avec moi trop souvent et tout. Mais comme ça, j'aurais besoin de ça parce que son père, il a changé des shifts. Il travaille plus la nuit, so il dort à la maison. Et le bébé need it close to us. So, Auréane, merci, je l'ai déjà reçu. Ensuite, j'ai baby monitor vidéo. So, c'est pour les bébés. Samir avait le monitor, mais sans caméra. So, j'ai voulu essayer avec la caméra parce que ma copine, je l'ai vu utiliser. C'était vraiment très important. Les bébés, ils dorment et tu le vois dans la caméra. Thank you pour la personne qui a déjà acheté ça pour moi. I really appreciate. So, ensuite, j'ai mis, et c'est très important aussi si tu es en train de cuisiner, especially moi qui a deux bébés comme ça, ça va vraiment beaucoup m'aider, je pense. Et j'ai envie d'essayer aussi. So, ensuite, j'ai mis un bassinet mattress. C'est toujours le bassinet, c'est toujours le petit berceau à côté de moi. Mais à l'intérieur, il faut mettre le matelas. Maintenant, les petits matelas à l'intérieur pour que le bébé soit vraiment confortable. Vous n'allez pas seulement mettre de couvre à l'intérieur. Non, j'avais acheté ça pour Samir aussi. Et puis, celui que j'ai reçu, c'est les sizes ne sont pas les mêmes. You know what I'm saying? So, yeah. So, ensuite, j'ai mis baby eye chair. Thank you for the person. Lumière, so send it. Oh my gosh, I don't even know where I'm. So, ce sont mes amis qui sont un peu far from me. So, je suis très contente. So, le baby eye chair 3-in-1. So, il est vraiment très confortable. J'ai mis ça, j'avais vu ça sur Amazon parce que les bébés, celui que j'ai, actually, je me disais que non, le nouveau-né aussi va utiliser, mais je n'y trouve pas ça. C'est pas... Non, I mean, Samir still using. C'est là où il s'assoit quand il est en train de manger aussi. So, j'aurais besoin de l'autre. Et ça, c'est trop bien parce que tu peux utiliser ça quand le bébé, il commence à essayer de se mettre pour le dos. You push it back. Like, tu peux remettre ça pour que ça soit dans... Il ne sera plus high, il sera de petite taille. Et le bébé, quand, à 4 mois, quand il commence à essayer de se mettre,
pour s'asseoir. Ça lui permet, en étant, il est en train de grandir et tu es en train de, you know, c'est pourquoi j'ai pris ça, c'est trop bien sur Amazon. J'ai mis aussi les baby bottle warmer with temperature control. Je trouve ça que c'est bien vu que je me dis que je vais allaiter avec le biberon. Donc, je dois avoir ça juste pour every time réchauffer le bébé, le lait du bébé. Et c'est trop bien parce qu'il a la température, il contrôle la température et tout. J'ai vu ça sur Amazon et tout. Ensuite, j'ai mis le baby nails filler. Ça, c'est pour les nails. Les bébés, si vous savez très bien, n'importe, tu coupes ses ongles aujourd'hui, demain ça pousse encore. So, j'ai du mal même à couper les ongles de Samir. So, j'ai trouvé ceci sur Amazon. C'est une sorte de lime, mais quand vous, je pense qu'il est chargeable ou bien il faut mettre des piles. Et quand vous branchez directement, tu es en train de limer, les nails sont en train de, it's coming down. C'est pas que tu dois couper. So, j'arrive pas à couper avec le coupon parce qu'il refuse. So, je me dis, je ne veux pas essayer ça avec le newborn et il y a la facilité avec ça. So, j'ai envie d'essayer ça. Et j'ai vu une personne qui a recommandé aussi sur YouTube channel. Je parle vite, hein. YouTube channel. Et c'est comme ça que je vais essayer aussi. So, yeah. Ensuite, Skype Hub Baby Formula. Ça, c'est pour aider à garder le formula à l'intérieur. À l'intérieur, si je sors par exemple, I'm going outside with a baby. Le bébé bouge. Baby car seat cover winter newborn. So, ça c'est pour couvrir les car seats. Je trouve ça vraiment très 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 intéressant et important parce que je suis en train de donner naissance pendant qu'il fait froid et puis le bébé vraiment a besoin d'être bien protégé contre le froid. Et une autre partie ici fait vraiment froid. You need to cover. So, ensuite, silicone pacifier holder. Ça, c'est une petite poche que j'ai utilisée, que j'ai achetée. J'ai trouvé ça sur Amazon. Ça aide à garder vos stétines à l'intérieur. Par exemple, si you're working with your baby, par exemple, dehors, vous marchez et tout, il n'a pas besoin que ça tombe. Vous pouvez garder toujours un extra dans votre petit boîte silicone et tout. C'est très important. J'ai vu aussi une de mes amies utiliser. Baby nasal aspirator. So, vous voyez quand le bébé, il n'arrive pas à respirer, le nez est bouché. Ça m'a trop stressé avec Samir. Dieu me voit. Donc, je ne savais pas quoi faire. Le bébé, il ne peut pas se... Non, le nez qui est bouché, il ne peut pas moucher. Il n'a pas la force de moucher. Je devrais utiliser les trucs pour... je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est comme ouais, les trucs qu'on utilisait pour purger les enfants derrière. Maintenant, de petite taille pour le nez, il fallait faire ça pour enlever et tout. So, ça, je trouvais que c'est pour aspirateur utilisé. J'ai vu ça sur Amazon et c'est très important, je trouve. Ça sera un peu trop facile pour moi, en tout cas, d'utiliser. C'est comme ça que je vais essayer un tout petit peu, right? Yeah, so, ensuite... j'ai les bath sponge, ça c'est pour sponge normal, gants. Bah, ça c'est les sponges, right? So, ensuite. Allez, mais quand tu regardes ma vidéo, clique sur like aussi. Ça me fera plaisir. So, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et je vous dis, bye yo. Bisous les amis. Mouah.